Et salut tout le monde, aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec mon fils, Adam Gamer. Renommez-moi. De quoi? Renommez-moi. Il est un peu malade. Renommez-moi, tu te comptes Ouais. comment? Gugimon 626, 62, 68, pardon. Quoi? Comment? Gugimon 62, 68. Je préfère comme ça. Gugimon, ok. Ah, Gugimon, bonjour. J'ai reçu un colis de. Alors moi j'appelle Charlie, hein, maintenant il y a une autre chaîne, je vous mets son lien ici, voilà, C'est un c'est sa chaîne. youtubeur où il a gagné mon père un Voilà. concours de beauté. Alors, Merci à lui. c'est un concours de beauté, oui, bien sûr. Donc j'ai gagné ça parce que les premiers gagnants ne sont pas manifestés, et du coup, Charlie m'a envoyé ce colis car j'ai été tiré au sort, et je le remercie encore. En plus, il est alsacien comme moi, bon, moi je suis alsacien d'adoption, parce que à la base je suis un qui, mais. Lui, il est juste à côté de là où je travaillais avant. C'est dommage, on aurait pu se voir, mais maintenant, je travaille plus sur Colmar. Lui, il n'est pas très loin de Colmar. Et bah, du coup, il me l'a envoyé par la poste. Je l'ai reçu aujourd'hui. Alors, je sais ce qu'il contient, en théorie. À moins qu'il Il ait tient raté déjà les avec les gens. Mais après, je sais pas. Ouais, on sait Je sais jamais. plus trop ce qu'il y a dedans. Je baisse 3. J'ai pas tout retenu. En tout cas, Charlie, quand il envoie un colis, il le protège bien. Voilà. Donc voilà. Hop. Waouh, la taille du Voilà ce qu'on a truc. gagné. Alors. Faut C'est des. savoir que c'est des jeux vidéo. C'est des mailles ton truc. C'est quoi, des Nike? Bah oui, hein. Les chaussures, c'est des mailles. Voilà, hop. Hop. Avec un petit mot. Félicitations à toi, Scolaire 68. Je te remercie d'avoir participé au concours des 1000 abonnés. Et oui, il a 1000 abonnés. Moi, je ne suis pas encore, lui, il y est. J'espère que ce lot de jeux te plaira, en espérant que ces jeux soient fonctionnels également. Je te dis à bientôt et profite bien de tes jeux, Delta Games 67. Voilà. C'est son nom de youtubeur? Et oui, je vous remets encore sa fiche ici. Voilà, une dernière fois. Et maintenant, on va procéder à la découverte des jeux. Alors, Trois il y en minutes plus a 1, tard, il va 2, encore les 3, mettre. 4, 5, 6. Il y a 7 jeux. Il y a 3 jeux de PS3, un jeu de PS4, un jeu d'Xbox Ah bah il y a 360 des jeux PS4. et 2 jeux de PS2. Alors, on commence par quoi? Xbox. Xbox. Eh ben, Xbox, tout bien, c'est un jeu pour toi. Mais tu l'as déjà. T'es prêt? C'est Sonic Generation. Je le Exact. savais. Sonic Génération, hop, complet avec sa notice. Alors Charlie, c'est exactement le même que j'ai moi. Et le même problème que j'ai, c'est que moi aussi, la jaquette, elle est en anglais. Bon, après ça, je crois que la notice, elle est multilangue. Je suis pas sûr. Je crois que oui. Il n'y a pas des codes triche. Non, il n'y a pas de code triche. Oh. Non, c'est en anglais, en anglais, en anglais. Hop, en anglais. Ah non, c'est qu'en anglais. Voilà, donc moi j'ai exactement le même. Je voulais en français, mais j'ai pas trouvé. Le CD il est correct, il n'y a pas de souci, Charlie, tu vois, impeccable. Donc, ça, premier jeu qui rentre dans la collection, ça ira dans la chambre de Ah bah gamer. Gugimon 68. Ah oui, c'est vrai. Guimond 62-68. Gugimon 62-68. Voilà. Deuxième jeu, tu veux qu'on continue sur quelle console? PS4, je commence par les plus petits, puis après je commence par les consoles les plus PS4, grandes. alors, Titanfall. De Ça se mémoire, c'est joue. un jeu qui se joue uniquement en réseau, non? Il me semble. Comme Apex Legends. Donc voilà, hop, impeccable. Je ne l'avais pas dans la collection. Voilà, le CD, il est bien. Et c'est Charlie. Donc ça rentre directement dans la collection. Alors sache, Charlie, que aucun de tes jeux ne partira à la revente, puisque je ne revends que très rarement, ou alors vraiment les jeux que je déteste, ça, je te l'avais dit. Ou alors les jeux qu'on m'a offerts, je les garde. Même si je les ai en double, en triple, en quadruple, je garde. Je ne revends jamais, je n'échange jamais des jeux que je gagne, qu'on m'offre, qu'on me donne, etc., etc. Ensuite, quelle console a-t-on, Gamer? Gugimon 128. PS2. PS2. Alors, PS2, on a Naruto, j'aime pas Naruto. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Voilà, avec sa petite notice qui fait plaisir. Et le CD, il est crade, mais on va le nettoyer. Voilà. Jamais je joue à ce jeu avec Itachi. Et bien, ça, alors, les jeux de PS2, ça ira dans la collection de Mister Lego 128, alias Razex, qui n'est pas là actuellement, il est en vacances. Mais Vacances à ça, Calais. voilà, vacances à Calais, au moins ça rentre dans sa collection. Ensuite, on continue donc sur PS2. Ouais. On a le Midnight Club 3, C'est quoi ce truc? un jeu de course. Ah, c'est Rockstar Voilà. qui l'a fait. Et Rockstar, il fait quoi comme autre jeu? GTA. C'est pas eux qui ont fait aussi Red Dead Oui, Redemption? c'est C'est eux. eux. Voilà, le CD il est bien rayé au micro-rayure, mais je pense qu'il passe. Et de toute façon, celui-là, il va direct dans la collection de Mister Lego 168. Il n'y a pas la notice, mais c'est pas grave. Un jeu avec jeu en réseau. C'était rare à l'époque, les jeux en réseau. J'avais acheté, moi, le modem sur la PS2. Il n'a jamais fonctionné. Bon. Donc voilà, ça, c'était les jeux de Xbox 360, de PS4 et de PlayStation 2. Et on va finir avec les jeux de PS3. PS3. On va commencer avec un jeu de course.
Alors, celui-là, je crois que je l'ai. Mais je me demande si c'est pas sur la PS2 qu'on l'a avec la boîte orange. Si on l'a sur la PS2. Sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, hop, le CD, il est nickel. Hop, un bon petit jeu de PS3. Comme dirait Mister Lego 168, c'est l'un des premiers parce que là, c'est marqué PS3 en rouge comme ça ici. Alors, je sais qu'il y a moyen de savoir par rapport aux numéros qui sont notés ici. Espérons qu'on a le 1 à quelle époque c'est sorti. 129. Alors, apparemment, ce sera le 129e jeu de la PS3. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, bien content. Un nouveau jeu de course que je n'avais pas. En tout cas, pas sur PS3. Je crois que j'ai sur PS2 et pas sur PS3. Et ensuite, on a... Non, le 1, on l'a pas. Le 1, on l'a pas. Oh non. Mais on a la trilogie. On les a tous sur PS4. Mais sur PS3, on n'en a aucun. Il y a Uncharted 2, Nathan Drake. C'est le... Qui dit le 2, dit le 3. C'est ça. Donc ça, c'est le Lara Croft au masculin. Le CD, il est impeccable. C'est pas Lara Croft. C'est Lara Croft au masculin. En fait, c'était la même chose que Lara Croft. C'est la crotte, ouais. Le jeu en platinum, mais c'est bizarre parce que c'est le jeu en platinum, mais là c'est pas du platinum. Je pense que t'as la version Black Label dans une boîte platinum. Après, je peux me tromper, mais il me semble qu'effectivement c'est pas les mêmes styles. Dis le 2, dis le 3. Et qui dit le 2, dit le 3. Donc Uncharted 3, l'illusion de Drake. Pareil en français, avec sa petite notice. Le CD, il est un peu cracra, mais je vais le nettoyer. Et franchement, ça fait plaisir. Donc moi, je l'avais sur PS3, PS4, c'est toi. J'avais le 1, 2, 3, j'ai celui avec les filles, j'ai le 4. T'as la trilogie. Ouais, j'ai la trilogie, mais en version essentielle, je crois, de mémoire. Qui sont d'ailleurs dans la chambre de Mister Lego. T'as pas la version italienne ? Non. Donc voilà, c'est les petits jeux que j'ai gagnés, je suis bien content. Alors encore merci, hein, Charlie. Et franchement, si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne, il mérite d'être connu. Il fait du contenu intéressant. Alors effectivement, parfois, il se force à faire des vidéos, mais il essaie toujours de proposer du contenu à tout le monde. Si vous avez des idées à lui suggérer, n'hésitez pas. Franchement, c'est un petit jeune qui demande qu'à monter en puissance et il a de quoi faire. Franchement, il a une belle collection. Je sais que souvent, il a récupéré des jeux chez Jeux Colmar, à Colmar, hein, qui est une enseigne de jeux vidéo. Il a récupéré des belles consoles, des beaux packs. Le pack Tortue Ninja NES, il était très beau. Voilà, donc en tout cas, vous pouvez aller le voir, vous pouvez lui parler de ma part, il n'y a aucun souci, c'est quelqu'un de très sympa. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Hein. Bah ouais. On a fait le tour. Voilà, voilà. Tu vas essayer de jouer, toi, Titanfall ? Non, j'avais la vie. C'est pas un jeu genre Fortnite ? Il me semble. Déjà, c'est PK16. Ah oui, c'est avec des robots. Ouais, ouais, donc non. Ok, bon, allez. Sur ce, on vous dit à plus tard. Ciao, ciao, ciao. Avoir des jeux vidéo, c'est bien. Et à jouer avec, c'est mieux. Mais jouer, c'est mieux. Allez, Fortnite. On vous laisse tranquille. Ciao, ciao, ciao.